Voilà. Alors, par là on a un chemin, par là on a rien, donc c'est par là. Pourquoi les nains creusent des tunnels si grands alors qu'ils sont tout petits? Ils choisissent de montrer leur importance d'une autre façon. Ou alors, ils compensent. Deuxième raison évidente qui rend votre réponse drôle, vous trimballez une épée gigantesque. Ce n'est pas pour compenser, c'est pour faire contrepoids. Allez, chatmite! On a vu les Kunari faire exploser ces barils. On recule, on recule, on recule! Ouais. Les murs des nains, c'est censé briller. C'est à ça qu'on les reconnaît. Je sais pas si c'est censé briller, mais... ces murs de flammes bleues ont été dressés par l'agent de Fenarel qui est débarqué ici en ce moment le chaos de la destruction. D'accord. Trop flou, je n'ai pas compté ça t'apprendre. Un saut. On s'en fout du saut. Non, c'est pas ça. Voilà, hop. Et j'avais oublié de faire ça pour la lumière. Cet endroit n'est pas stable. Sans blague. Je vois pas ce qui te fait dire ça, Nathan. Tu te sauvegardes, tiens, ça fait longtemps. Effectivement. Ceci dit, niveau dégâts, tu repasseras, hein. Ils arrivent. Allez, monsieur, faut mourir. Alors, zone d'extraction et de traitement. Bonjour! Voilà. J'ai vécu avec la menace Kunari toute ma vie. Si ça dégénère, il n'y a pas que Tevinter qui en paiera le prix. Tu m'étonnes. Tout ce lyrium, les Kunari pourraient faire fortune. Oui, je pense que les Kunari, honnêtement, c'est pas faire fortune qui les intéresse là tout de suite. Voilà. Alors, y a-t-il quelque chose par là? Attendez, on va faire sauter ça. Non? Non, moi d'accord. Là. Une plateforme minière. Il ne nous manque plus que des catalyseurs. Pas grand chose pour que cette caverne s'effondre. D'accord, ok. Là, je contourne, d'accord. Attends, pardon. Approchez. On va descendre par là. Carré déchiré des tréfonds. Ouais, bon, ça. Des herbes rares. Embuscade. Okay. Où tu vois une embuscade, toi? Bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Voilà. Aou. Aou, aou, bien joué. Ça explose, ça? Non. C'est bon? Bonjour. Là, je pense que ça me ramène en arrière. Euh,
Ouais, si, ça me remet en arrière. Bah, tu m'excuses, on y voit pas grand chose, hein. Et je pense aussi aux viewers. Mais c'est de la merde ces mines, une fois sur trois elles explosent pas. Les Kunari semblent mener une opération de guerre. Et si on la faisait sauter? Un ordinateur désaffecté qui aurait été. Quoi? Excusez-moi, ils disent que les agents de Fenarel a causé des problèmes. Oui, oui, il a causé des problèmes, tout à fait. On s'enfile, on chope les catalyseurs et on fait tout péter. Boum. Allez, ça me va, c'est un bon plan ça. On y va. Kunari, dégagez, vous êtes au milieu là. Un soldat de choc, mais c'est pas grave. Allez monsieur, faut mourir. Voilà. C'est vrai que voir des conneries avec des boucliers de mages, c'est quand même bizarre. Hein. Ah, jolie esquive. Mais une fois, pas deux. Allez, toi tu meurs. Celle les bombes avec les détonateurs et tout. Alain est tellement sérieux que je le suspecte de nous avoir tous mute pour ne pas avoir nos conneries. Il a percé son secret à jour, c'est pas impossible. Ah bah tiens. Ah c'est d'accord, un Saribas. Ouais, c'est quoi, un mage ninja? Voilà. Alors, on va fouiller. Celle des tréfonds était à côté des flammes violettes, je crois. De quoi tu parles? Sur un. On s'en fout. Ok. On prend les mèches. On a les catalyseurs. Ah, les catalyseurs. Il n'y a plus qu'à faire exploser du Gatlock. Ouais, on va faire ça. Communiquer sur les tréfonds, oui. Très bien. Alors, faisons péter tout ça. Il y a de la viande fraîche au menu, mes amis. Le gros, c'est un Saravas, un mage Kunari, d'où le bouclier. Ouais, 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 ouais. C'est ce que j'ai vu après. D'accord, donc c'est les trucs comme ça qu'il faut péter. Ok. Salut! Bonjour! Allez, battez-vous. Je peux le poser ou il faut attendre la fin du combat? Non, pardon, excuse-moi. Je peux le poser, voilà, bouge pas. Maintenant qu'il y a un catalyseur, est-ce que ça pète? Oui, ça pète, c'est bon. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On en a vu dans un dernier jeu qui s'est immolé. Oui, on en a vu un, oui. Attention en dessous! Voilà, voilà, voilà. Attendez que je sorte avant de. Avant que tout s'effondre. Par là, par là, par là. Par là.
qui c'est qui me parle là? Oh 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 oh. On se calme. On se calme. Et les assassins Ben Astrat là. Ça passe. Allez, saute. On place le catalyseur. Le pont s'effondre. Pas besoin de danser le sort avec l'autre. Ouais, mais c'est plus classe. Joli, joli. Pour les autres peuples, toute la région Kunari est un esclavage, garder sa place, pas de liberté, être soi, changer, le fait qu'ils connaissent sa place, c'est rassurant. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai ce que tu dis, Fallen. Mais d'un autre côté, ça fait une société qui marche, hein. Parce que si tu prives chacun de son libre arbitre, tu as une société qui marche, hein. C'est le principe de, pour la colonie, quoi. Pour la colonie des fourmis. C'est par où? Tac, 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 tac. Ok. S'occuper d'eux quand même. Ils encaissent plutôt bien les lanciers. Ça marche, mais certains s'échappent, les Talvashov. Bah ouais, ouais, oui, oui, forcément, oui. Mais globalement, la société Kunari, ils ont pas tellement de problèmes comme peut avoir une société en démocratie ou en monarchie. Voilà. Donc c'est par là. Voilà, par là. Attention, ça va péter. Filons d'ici et allons avertir les autres de cette histoire de souffle du dragon. Avant que cet endroit ne soit encore plus submergé, espérons-le. Regardez l'eau. Regardez l'eau. Comment ça? Où ça de l'eau? Oh shit! Allons-y. Lavage de cerveau selon Iron Bull. Oui, bah, enfin, oui, c'est un lavage de cerveau d'une certaine façon, mais oui, c'est même complètement un lavage de cerveau. Mais le fait est que ça crée une société qui marche. Parce que le problème, c'est le problème de la, entre autres, de la démocratie. Si tu demandes ton avis à tout le monde, on respecte pas vraiment la hiérarchie et du coup, on peut pas vraiment avancer, quoi. Et oh, on se calme, on se calme. Non mais... C'est même plus un lavage de cerveau à la longue, c'est d'éliminer toute notion, tous les mots, toutes les réalités qui ne sont pas en accord avec l'orthodoxie. Bah oui, oui, oui. On peut monter là? Non? Les Luvianes! Bonjour! Je vais aller voir où ça mène. Où ça mène quoi? Nos frères Templiers ont besoin de rééducation, il faut vite le retrouver, il faut le ramener au plus vite. Ah, ils sont partis le chercher, d'accord. Où ça mène là? Bon, la caverne a l'air plutôt stable, hein. Putain, on voit rien. Le grand escalier. Ah oui. Je n'ai pas allé bien loin.
Bah non, le porteur de cet amulette récupère une grande quantité d'endurance quand il tue un ennemi. D'accord. Ça peut être intéressant pour Serra ou pour Black Wall, ça. Bah vous êtes content, il est mort. Non, il n'y a pas de catalyseur là. C'est par où, par là. Aziz, lumière! Merci Aziz. Qui va annoncer à Cullen et Joséphine qu'on est sans doute en guerre contre le Kun? Un volontaire? Ben voyons. Ils vont me tuer. Ah ben ma foi. Utilise ta technique de pulvérisation par la lumière. Mais du coup, freine aussi pas mal d'avancées technologiques et scientifiques. Quelqu'un qui n'est pas libre de penser, c'est compliqué. Oui et non. Oui et non. Ça dépend comment tu organises la chose. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre de penser et il y a quelqu'un qui est bridé. C'est pas exactement la même chose, je pense. Ça dépend dans quel domaine d'avancée tu te places, ça dépend, enfin, je pense que ça dépend de plein de choses. Je pense que c'est pas aussi simple en fait. C'était une blague, mais tu as le pouvoir de faire de la lumière, je te rappelle. Oui, oui, je sais. Mais je te rappelle aussi que ça m'enlève ma jauge de concentration quand je le fais, et je préfère quand même garder ma truc pour invoquer la faille quand j'ai besoin. On sait jamais. Bon, apparemment c'est la guerre. Kunari et leur métaphore. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Nous avons déjà assez des Kunari qui se servent des Eluvianes pour attaquer le sud. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont accusé l'Inquisition de servir Fenarel. Parce que Fenarel est Mithal, j'imagine? On sait que Mithal existe. Il est possible que Fenarel ait lui aussi survécu sous une forme ou une autre. Ce que vous décrivez dans les ruines sous-entend que le loup implacable de la légende elfique est une personne bien réelle. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? D'où tient-il que l'Inquisition est au service de ce Fenarel? J'ose espérer qu'on en apprendra plus une fois qu'on les aura arrêtés. Voyons un peu si le Conseil Exalté veut dissoudre l'Inquisition une fois que nous les aurons sauvés de ce souffle du dragon. Il faudrait d'abord savoir ce qu'est ce souffle du dragon. Pour l'instant, notre seule piste, c'est la chef des Kunari, la Vida Sala. Mes seigneurs. Veuillez m'excuser, Dame Joséphine. Un incident s'est produit avec l'un de vos soldats. Comment osez-vous? Après que l'Inquisition a délibérément caché au Conseil Exalté la présence d'un cadavre Kunari. Orlaïs serait fait une joie d'offrir son aide. Maintenant, vos propres gardes attaquent des serviteurs. Vous avez dépassé les bornes. Merci de m'en avoir informé, messieurs. Je m'en occupe personnellement. Merci, Inquisiteur. Orlaïs se tient prêt à assister l'Inquisition, comme toujours. Fayot. Secret, mensonge. Comprenez-vous pourquoi nous redoutons votre Inquisition? Vous faites comme si vous étiez la solution à tous les problèmes. Vous nous menez droit à la guerre, une fois de plus. Elle a un peu déclaré, là, la guerre, hein. Les Kunari nous ont pas demandé notre avis, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Orlésiens ont essayé de prendre l'une des nôtres, Inquisiteur. Nous avons sécurisé la zone. Vous êtes au palais d'hiver! Vous ne pouvez pas prendre le contrôle alors que l'une de vos gardes a attaqué un domestique! L'Inquisition s'occupe de cette affaire. Si un noble commet un crime contre la mode, vous pourrez prendre le relais. Ah, bien envoyé! Et quand j'ai refusé de courber les chines devant l'Inquisition, vous m'avez attaqué! Comment voulez-vous que nous gérions cette situation, Inquisiteur? Ce baril-là, d'où est-ce qu'il vient? On m'a donné l'ordre d'apporter du vin aux invités. Vous mentez. Vos soldats de l'Inquisition sont complètement incontrôlables. Ouais, alors le baril, tu m'excuses, non, il est douteux, hein. Parfaitement la situation. Taisez-vous ou je vous mets au fer. Bon, allez, choisissez. Choisissez, mais je pense qu'on sera tous du même avis. Enfin, j'espère. Choisissez. Sur ce, je vous quitte pour cette fois. Excellente continuation de DLC et bonne soirée à vous tous. Salut Omicron.
Alors dites-moi, qui on arrête? La garde de l'Inquisition ou le domestique couillon qui apporte un baril douteux qui ressemble à un truc explosif Kunari? Je ne sais pas, je connais le résultat. La domestique. Arrête la domestique. Le garde, allez. Donc ça veut dire que tu avais choisi la domestique, Fallon. Enfin, là. Bon, moi, enfin, vu ce que je viens de dire, vous vous doutez bien que je penche pour arrêter la domestique. Hein. Domestique qui transporte de Gatlock. Bah ouais, on est bien d'accord. Hein. Je suis d'accord, Omicron, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est autre chose, j'ai déjà tout testé. D'accord. Bon, donc on est bien d'accord. La domestique. Placez le domestique en détention. Tout de suite, votre grâce. Inquisiteur? L'ambassadrice Montillier vous expliquera plus tard. Pour l'instant, préparez le domestique pour un interrogatoire. À vos ordres, inquisiteur. Seigneur Cyril va en entendre parler. Ah, il peut entendre parler, j'en ai rien à foutre. Inquisiteur, j'ai aussi trouvé ceci près du baril. Je ne connais pas cette langue. Coucou, Liliana! Est-ce que vous avez résolu le problème de la garde? C'est le dernier de nos soucis. Quelqu'un a introduit des barils de Gatlock dans le palais d'hiver. Souriez, inquisiteur. Beaucoup de monde nous regarde. Au moins, on connaît maintenant toute la mesure du souffle du dragon. Vous croyez que c'est ça, le souffle du dragon? Ces barils de Gatlock? Bien entendu. Une attaque surprise se serait heurtée à une résistance acharnée, même en passant par les Éluvianes. Mais si tous les participants du conseil exalté mouraient dans une explosion, le sud serait perdu. Vulnérable aux attaques. Ouais, c'est sûr. C'est ce que Corypheus aurait dû faire après l'explosion du Saint-Temple cinéraire. Une attaque aussi vive et imparable que le souffle d'un dragon. Comment vous faites pour continuer à sourire? Des années d'entraînement en tant que barde inquisiteur. Ce n'est pas le moment de nous montrer faibles. Des ennemis pourraient nous observer. Tout ce qu'ils doivent on voir... On voit l'Arlequin derrière, oui. Oui. La garde qui a parlé au domestique a dit qu'elle avait trouvé ce mot près d'un des barils. On dirait du Kunlat. Faites voir. Iron Bull m'en a appris quelques rudiments, même s'il paraît que mon accent est abominable. Ce sont des ordres pour la mise en place des barils de Gatlock dans le palais. Une fois la tâche terminée, passez par le miroir indiqué par une bibliothèque pour rejoindre la Vida Sala. J'espérais justement rencontrer l'honorable Vida Sala. Comme c'est gentil de sa part de nous inviter. Bien. Pendant ce temps, mes agents vont localiser les barils de Gatlock et les retirer en toute sécurité. Je vais aussi prévenir mes contacts à l'étranger. Il faut découvrir à quels autres endroits ce dragon pourrait frapper. Bon, très bien. Alors attendez, vu qu'il y avait la madame là, on va aller la voir. Elle était... Tu mûres. Bah, elle était pas par là. Bon, je sais plus où elle était. Petite sauvegarde, ça impose, ma foi. Non, c'est ici, voilà. Et puis, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. On m'avait dit qu'il y avait 4 zones. On en a fait 2 sur 4. Donc, on va s'arrêter là. Et oui, j'ai une idée, Jonathan, mais on en parlera plus tard. Donc, je vous donne rendez-vous du coup samedi soir pour terminer Dragon Age Inquisition. Pour terminer pour de bon, puis on fera peut-être un petit débriefing après, je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, on s'arrête là pour ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'intrigue, j'ai hâte de savoir comment tout cela va se terminer. Notamment la rencontre avec le fameux Fenarel, on verra. Donc rendez-vous samedi soir à 21h pour la suite. Allez sur ce, salut tout le monde.